si tu préfères, si vous préférez. Ah, mais je veux pas être dedans. Je vais être dehors, moi. Ah, d'accord. Mais okay. Non, je vais être dehors. Bonjour. Comme je te dis, moi, c'est les trucs que les gens peuvent voir dehors. L'intérieur, c'est souvent plus complexe. C'est le cabinet du... Ah bon? Et il était là, c'était là son palais. Oui, mais après il allait, oui, il habitait là, puis après il allait, il est bien s'isoler au fond sur les remparts. Il y a... Là pour la faire. Non mais là c'est en plus c'est tellement 17ème. Tu vois là la petite, la mansarde, le toit, la mansarde comme ça, un peu gros là. Là on est vraiment au 17ème siècle, rien. Mais on peut aller voir la maison. Elle a été replacée, elle était pas là à l'origine celle-là. Si. Bah, elle est bien alignée sur le banc, elle est bien alignée par rapport au jardin. Donc, C'est bizarre qu'elle soit pas sur une route. Et là, c'était le cabinet. De l'autre côté, il y a un petit jardin. Tellement à des plus grands orateurs que la France ait connus depuis l'Antiquité, écrivait ses textes et ses fameuses oraisons funèbres. Il a écrit beaucoup d'oraisons. Funèbre pour les membres de la famille royale, notamment celle pour la dauphine, pour la belle-sœur du roi Louis XIV avec cette femme. Et bien pour écrire ses textes, pour écrire ses discours, il avait besoin de s'isoler. C'est pourquoi il allait ici, dans cette petite maison à l'abri, à l'intérieur de la cité épiscopale, sur les remparts romains, pour écrire ses textes et aussi ses fameuses oraisons funèbres, dont une qui est restée célèbre, adressée à la belle-sœur du roi Louis XIV, avec cette fameuse phrase « Madame se meurt, Madame est morte ». C'est peut-être là qu'il l'a écrit. Lequel Bossuet, celui qu'on surnommait l'aigle de Meaux. Bossuet, brillant écrivain, brillant théologien, brillant prédicateur, c'est lui qui va participer avec Louis XIV à cette contre-réforme qui va viser à réimposer le catholicisme dans ce royaume de France après qu'il ait été déchiré pendant l'épisode des guerres de religion. C'est l'épisode notamment de la guerre des... Oh, qu'est-ce que je raconte ? Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes à Meaux aujourd'hui ? Oui, au musée Bossuet, magnifique. Alors, qui raconte un petit peu l'histoire du passé épiscopal de la ville avec une collection de tableaux absolument dingue qui aussi raconte un peu l'histoire de Meaux. D'accord. Il y a des connexions, des passerelles possibles, donc n'hésitez pas à venir le visiter. Il est vraiment très 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 beau. En plus, regardez la petite chapelle où ils priaient les évêques, juste derrière nous, là, regardez ça. Regardez, tranquille, hein. Tranquille le chat, regarde. Hop, t'as pas besoin de sortir pendant quand il fait froid, là. Allez, hop, ils sont dans leur palais et ils vont prier. Ils ont rendez-vous avec Dieu chez eux, quoi. Dieu dans le plumard. Oui. Vous avez prévu de mettre en valeur quel site à Meaux, alors ? Eh bien, le palais épiscopal, la cité épiscopale, parce que déjà, c'est un élément, un ensemble préservé, et c'est très très rare en France qu'il y ait des cités épiscopales, donc le groupe ecclésiastique, puisque les églises, au départ, elles ne sont pas uniques, c'est pas l'unique église du village, c'est des bâtiments séparés, il y a le baptistère, il y a la maison de l'évêque, bref, il y a plein de bâtiments épars, ça s'est ramifié petit à petit, et là, ici, il y a encore une belle vision, un beau tracé encore visible de ce qu'était une cité épiscopale, puisque Meaux était un évêché. Donc ça c'est passionnant, donc ça j'en parle. Je parle aussi des remparts romains pour raconter le passé antique de la ville, c'était une cité importante. On va parler du musée de la Grande Guerre parce qu'évidemment Meaux a été le théâtre terrible des champs de bataille de la Première Guerre mondiale, qui verra mourir notamment Charles Péguy et le papa d'Albert Camus aussi. Donc ça on en parle, et puis le musée de la Grande Guerre il est dément, donc il y a le musée Bossuet qui est vraiment sublime et qui raconte bien l'histoire de la ville et le passé de Meaux, mais aussi le musée de la Grande Guerre, donc il y a deux beaux musées à visiter. Et on va aussi raconter, qu'est-ce qu'on va raconter d'autre ? On va raconter le passé commerçant de Meaux, qui était une ville très 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 opulente au Moyen-Âge, et vous allez découvrir pourquoi dans ma chronique sur YouTube, à toute berzingue. Je raconte pas tout, quoi, parce que franchement, sinon c'est lui qui va la publier, sinon. Merci. Merci à vous. Laurent.